tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de filet mignon au boursin. Pour cela, vous allez tout d'abord insérer le hachoir dans la cuve du robot et une échalote et demie. Puis, vous lancez votre robot en vitesse 11 durant 10 secondes. Vous substituez le hachoir par le mélangeur et vous ajoutez un filet d'huile d'olive. Ne vous reste plus qu'à lancer le programme Slow Cook mijoté P1. Pendant ce temps-là, vous vous occupez de votre filet mignon de porc. Alors moi j'en ai pris deux parce que nous sommes donc 5 à la maison. Il faut le dégraisser un petit peu, le dénerver. Clairement, c'est pas moi qui m'en suis chargée, je suis vraiment nulle pour faire cela, c'est mon mari. Puis vous coupez votre filet mignon en tronçons de 2-3 cm d'épaisseur. Quand vos échalotes sont cuites, vous ajoutez votre viande dans la cuve du robot. Une petite boîte de champignons de Paris. Un pot entier de boursin cuisine. Alors c'est vraiment tout ce qui donne le goût délicieux à la sauce. Hein. Une cuillère à café de maïzena. Et 2 cuillères à soupe de fond de volaille. Il vous faudra ajouter 15 cl d'eau. Si vous souhaitez avoir une sauce un petit peu plus fluide, vous pouvez en mettre davantage. Je vais vous montrer tout de suite après la consistance de ma sauce. Vous lancez donc le programme mijoté Slow Cook P2. À mi-chemin, voici donc la consistance de ma sauce et j'en profite pour un petit peu remuer et décoincer les morceaux de viande éventuellement. C'est déjà plutôt pas mal. Je relance donc mon robot pour la fin du programme P2. Et voici donc mon filet mignon en sauce fromagère vraiment délicieux que j'ai servi avec des pâtes. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour nous encourager et à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt avec une recette aux compagnons.